vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc là, je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. Donc il va y avoir un échauffement, un corps de séance, cuisses, abdos, fessiers. Vous avez besoin de zéro matériel hormis votre tapis. Un retour en calme ensuite. Donc la vidéo ne va pas faire plus de 45 minutes. Vous avez besoin de votre tenue de sport, des baskets avec les lacets bien faits, une bouteille d'eau pour vous hydrater et éventuellement une serviette. Voilà, écoutez, on va s'échauffer, je vais mettre la musique et puis ensuite on va partir sur vraiment le corps de séance, cuisses, abdos, fessiers comme je vous disais, et on termine par un petit retour au calme. Donc, musique et on est parti. Donc on va commencer par des montées de genoux. Donc genou droit, genou gauche, vous alternez. 4, 3, 2, 1, on y va. Donc je rappelle ici que vous devez regarder bien vers l'avant. Avoir vos épaules basses, la cage thoracique ouverte et vos abdos engagés. Au niveau de la respiration, vous expirez en montant le genou. Coup de genou opposé, petit travail de coordination. Et normalement, pas de soucis pour personne. Allez, on entend encore 8, 7. Avant de faire K à droite, 4, 3, 2, 1, K à droite. Ha, ha. Donc penchez un peu le buste, les soupes sur la jambe gauche. Donc mettez-vous bien de VR. Hein. Il n'y a pas de genou tordu ici. Hein. Toujours bien profilé. Regardez vers l'avant, pas par terre. Attention à vos épaules. Comme je vous le dis, on change. Allez, en 4, 3, 2, 1, on change, jambe gauche. Donc soyez bien fléchis au niveau de la jambe d'appui à droite. Et bloqué, à partir du moment où vous êtes fléchi, on ne fait pas l'ascenseur, hein. On ne monte pas et on ne descend pas. Hein. Fléchi, bloqué. Allez, ensuite on fera pied pointé au sol, main sous les hanches. 4. 3, 2, 1, on y va. Pieds pointés, mains sur les hanches. Droite et gauche. Droite et gauche. Allez, souple au niveau des genoux. Essayez de me descendre fessier. Donc vers le sol. Entre chaque pied pointé. Ha, 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 ha. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous partez sur un squat. On descend un petit peu et on reste au milieu. Vous serrez vos abdos, vous ouvrez la poitrine, vous abaissez les épaules. Allez, ensuite on partira sur des jumpy jacks. 4, 3, 2, 1. Et regardez, je pointe. Pied droit puis pied gauche. J'élève les bras sur épaule. Et on part là-dessus. Maintenant, droite, gauche, droite, gauche. Donc ça, c'est toujours pour réchauffer hein, l'ensemble de votre corps. Partie un peu cardio. Pour qu'ensuite on puisse partir hein, sur la séance, que le corps soit bien échauffé. Allez, talons fessiers quand je vous le dis. 4, 3, 2, 1, talon. Ha, 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 ha. Allez, genoux ouverts. Talons vers fessiers, bras en action, je les amène vers l'avant pour les amener vers les hanches. Et quand je vous le dis, on fera K à droite.
dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que la jambe droite. Ha, 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 ha. Donc vous êtes en appui sur la jambe gauche, fléchis sur la jambe gauche. Hein. Le buste penché du côté gauche, mais bien droit, toujours en action. Talon vers fessier, j'expire à ce moment-là. Quand je ramène, talon vers fessier. Je ne fais pas l'ascenseur, je suis fléchie et bloquée sur ma jambe d'appui à gauche. Hein. Quand je vous dis on change. 4, 3, 2, allez-y. Allez, ensuite, on sera bon. On pourra commencer la séance. Voilà, le corps de séance. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. On détend un peu ses jambes. Si vous avez la bouteille d'eau, n'hésitez pas à vous hydrater. Et on est parti sur un travail de cuisse. Donc, on va faire les squats serrés. Donc, ayez un petit espace quand même entre vos deux genoux. Les orteils vers l'avant. Et on va faire ici une bascule de bassin vers l'arrière, comme si vous laissez asseoir sur une chaise. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Hein. J'ai le dos droit, j'inspire, je descends et je dois expirer, remonter. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. Poids du corps sur vos talons, ça va être en un temps. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Je descends, je remonte. J'inspire et j'expire en remontant. Je dois contracter mes cuisses, mes fessiers quand je remonte. Je fais attention de ne pas verrouiller mes jambes en haut. Les jambes ne sont pas hyper tendues. Toujours une petite souplesse. Vous pouvez être sur mon rythme, vous pouvez être plus... Vous pouvez aller plus doucement. Après, dans l'idéal, c'est bien d'être sur mon rythme parce qu'après, on est calé sur la musique. Donc, c'est mieux quand même. Allez, toujours abdos serrés. Hein. Allez, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, on bloque au milieu. Donc vous voyez, hein, faites attention à votre posture, le bassin basculé vers l'arrière, le buste un peu penché, mais droit. Hein. Serrez-moi vos abdos encore plus. Ça chauffe vos jambes, c'est normal. Ensuite, on va faire des petits. Dans 4, 3, 2, 1, on y va. Petit rebond. Donc là, hein, c'est un mouvement de squat, jambes serrées. Ça travaille vos cuisses devant, derrière et ça travaille fessiers. Hein. Mais surtout vos cuisses. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on détend un peu ses jambes, on s'hydrate si on veut. On va faire une autre série, mais là au lieu d'avoir les jambes serrées, les pieds espacés des hanches. Donc là c'est la posture hein, normale du squat. Hein, ok. Donc ici, ouvrez un peu les orteils. Genoux vont partir dans leur direction, donc sur les extérieurs, même principe, bassin vers sol, on imagine la chaise. Allez, on attend. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Donc pareil, attention à vos genoux, à ne pas tendre complètement. Allez, serrez-moi vos
la poitrine, dégagez l'épaule. Ne soyez pas les épaules enroulées vers l'avant. C'est le bassin qui descend et le buste qui suit. C'est pas le buste qui entraîne le bassin. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Plus on descend bas, plus c'est dur. Essayez, si on peut, plus bas. Quand je vous le dis, on bloque au milieu. Allez, 4, 3, 2, 1. Et là, vous restez au milieu ici. Allez, on se concentre. Abdos serrés, toujours. Je répète, mais c'est vraiment pour pas que vous le désengagez, que vous pensiez vraiment à tout le temps le serrer au maximum sur la séance. Hein. On peut faire un travail d'abdos spécifique à un moment donné dans la séance, mais au final, les abdos, ils sont toujours engagés. Normalement, sur, voilà, du début à la fin, vous avez les abdos serrés, hein. Engagés. Allez, petit rebond. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on détend les jambes. Alors, on s'hydrate là si on veut. Je vous explique la suite. Donc, jambes serrées, pieds espacés, les hanches, on a fait. Plus large que les épaules, on va faire les squats sumo. Attention à ne pas trop écarter, vous faites en fonction de vos hanches et de votre souplesse de bassin. Donc ici, pied plus large que les épaules, par contre ça normalement vous y êtes. Orteil ouvert, je descends, j'inspire, mes genoux sont toujours dans la direction des orteils vers l'extérieur. Un poids du corps sur mes talons, je remonte, j'expire. Le dos bien droit, d'accord? Le ventre serré, toujours. En un temps, quand je vous le dis. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, sans verrouiller les genoux en haut. Sentez que vous avez bien les pieds ancrés dans le sol. Le poids du corps sur vos talons. Quand je vous le dis, on bloquera au milieu. Allez, 8 derniers. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, on bloque milieu. Allez, on reste ici. Encore un peu, on va faire des petits rebonds et ensuite on passera au sol sur un exercice de fessier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rebond. Allez, tout petit. Toujours les genoux vers les extérieurs. Le dos droit, le ventre serré. Dégagez-moi les épaules. Imaginez un pied au-dessus du crâne qui vous tire vers le plafond. Réchauffe les cuisses, c'est normal.
Je vais sentir un peu l'intérieur, les adducteurs. Et on lâche. Ok, alors n'hésitez pas ici à vous hydrater encore une fois. On va passer au sol. Donc, je vous invite à vous mettre en arrière de votre tapis, à rentrer le menton, à enrouler votre nuque, vos épaules, votre dos, en gardant les genoux souples. Donc, vous posez les mains au niveau du sol. Et on va rester ici en position 4 pattes sur genoux. Et on va travailler les fessiers. Alors, on va faire petit moyen et grand fessier ensuite. Hein, donc, deux exercices différents qui vont faire travailler l'ensemble de vos fessiers. D'accord ? Donc, les mains sont sous les épaules. Les coudes sont déverrouillés. Les genoux sont en dessous de vos hanches. Vous n'avez pas le dos posé. Vous n'avez pas le dos arrondi. Vous êtes entre les deux. D'accord ? Vous avez les jambes au sol, chevilles allongées, dessus des pieds au sol. Normalement, espacées des hanches. La nuque est longue, tête sortie des épaules. Là, moi, je vais vous demander d'ouvrir votre jambe sur le côté. Donc, jambe droite. Donc, je monte vers l'extérieur. D'accord ? On va monter en attente, bloquer vers des petits hauts. On va faire ça déjà. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. En haut, en bas. En haut, en bas. Et on ne repose pas complètement la jambe. On se rapproche de la gauche. Mais on ne la pose pas. Alors n'hésitez pas à casser la cheville du pied droit. Alors, évidemment, on met un peu le poids de son corps donc, sur le côté gauche pour l'équilibre. On gaine, on serre ses abdos pour être les plus stables possible. Ok, ici on bloque en haut. Donc serrez bien le ventre, hein. Levez le plus que vous pouvez. Quand je vous dis petit, allez, go. Petit haut. Allez, que vers le haut. Donc là, on est sur petit moyen fessier. Hein. Au niveau de la zone de travail, on va faire grand après. Ok, on relâche. On récupère. On peut se mettre un peu dans la position de l'enfant. Les mains vers l'avant, fessier proche des talons. En attendant, je vous explique la suite. On va continuer sur la jambe droite. Mais on va faire le grand fessier. Vous allez voir que ça va être la même zone. Alors, soit vous restez sur les mains, soit vous passez sur les avant-bras. Pour ceux qui ont des problèmes peut-être un peu de bas du dos, je vous conseille d'être sur les avant-bras, coude sous les épaules. Donc ici, jambe droite fléchie, pied flex. Et je monte, talon vers plafond. D'accord ? On fera blocage en haut et les tout petits. 4, 3, 2, 1, on y va. Mais je garde, voyez, toujours ma jambe fléchie. Genou se rapproche du sol. Et vous élevez un peu le genou. J'expire en élevant. Ma nuque est longue, mon menton dégagé. Je regarde mes avant-bras. Allez, 4, 3, 2, 1, restez en haut. Allez, serrez fessiers, serrez ventre, restez stable. Gainez, nuque longue, tête sortie des épaules, regard vers avant-bras, main. Petit en haut, ha, 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 ha. Thank you.
4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, on va faire le même principe, mais en inversant les rôles, en faisant donc ça du côté gauche. Donc je vous invite à être sur les mains, les genoux, à espacer les genoux des hanches, les mains sous les épaules. On déverrouille ses coudes, on a le bassin neutre, la nuque longue. Et on va ici élever la jambe gauche en ayant bien un peu plus le poids du corps du côté droit. 4, 3, 2, 1, on y va. Ha. 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 Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on bloque en haut. Allez, quand je dis des petits, bassin et on va maintenir en haut en respirant fluidement.
Genoux, hanches et épaules sont alignés. Le regard vers le plafond, tête dégagée des épaules. Donc quand je vous le dis, allez go, c'est parti. 45 secondes, on tient. Donc serrez bien fessiers, sentez le travail sur la chaîne postérieure. Donc là, faites attention à vos pieds, à bien voir les pieds espacer les hanches. Et vous avez plus tendance à mettre les pieds des fois trop loin. Ayez bien les talons un minimum vers les fessiers. Hein. Vous devez sentir qu'il y a un bon appui avec vos pieds et que ça vous permet de facilement monter le bassin haut. Ok, on récupère 15 secondes et on refait ça. On va le faire 3 fois. Hein. Donc là, on renforce la zone lombaire et après, on viendra renforcer la zone abdominale. Hein. 3, 2, 1, et on y va, on élève. Entrez vos abdos. Abaissez l'épaule. Vous êtes à la moitié.
un petit peu. 15 secondes et on repart pour une troisième et dernière fois. Allez, 3, 2, 1 et on est parti. Et on relâche. Alors, là, on va faire du gainage latéral. On va se mettre sur le profil droit. Par contre, vous allez faire que 30 secondes. Hein. Du coup, que 30 secondes. Comme je vous disais, donc au niveau du placement, on va le faire gentiment celui-là, c'est-à-dire que vous allez avoir donc l'avant-bras au sol, coude sous l'épaule. Donc attention par le coude là, le coude sous l'épaule. Genou au sol, donc vous allez prendre appui avec votre genou et votre avant-bras. Logiquement, genou et main sont plus ou moins alignés, d'accord? Votre main de terre, votre genou de terre. Vous montez le bassin, votre jambe gauche, elle est tendue dans le prolongement du buste. Votre main peut être sur la hanche, sur la cuisse, coude vers plafond ou bien vers le plafond, bras tendu dans l'axe de l'épaule. Moi, ce que je veux, c'est que vous montez bien le bassin et creusez votre taille. Alors, évidemment, 30 secondes, s'il y en a qui veulent les faire avec jambes tendues l'une sur l'autre ou par-dessus, vous pouvez, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Ça dépend après de votre agilité au niveau de votre épaule. Ok ? On est parti. Allez, go. Chacun son option. On regarde bien vers l'avant, on ne bande pas les mentons. On ouvre sa cage thoracique. 30 secondes à droite. Et ensuite, on fera à gauche. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On change de côté, comme ça ce côté-là récupère. Et on peut enchaîner. Donc, on se place bien comme il faut. Je vous laisse quelques secondes. Vous choisissez votre option. Et on part. Donc, 3, 2, 1. Et on y va. Allez, 30 secondes. Allez, regardez bien devant. Coude sous l'épaule. Posez votre ventre, serrez fessiers. 15 secondes. Vous êtes à la moitié. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on change. Alors on va le faire encore hein, deux fois sur le côté droit. Et sur le côté gauche. Donc on fait la deuxième fois, la deuxième série. Allez, installez-vous, ça a eu le temps de récupérer. Allez, 3, 2, 1, et on y va. Allez, 30 secondes. Changez de profil, que vous installiez, choisissez votre option, 3, 2,
1 et on y va. Allez, montez plus le bassin, creusez plus votre taille, serrez les fessiers. Soyez bien engagé au niveau du centre du corps. Sur la fin de la séance. Allez, on va partir en 3, 2, 1 et on y va. Allez, dernière fois à droite. Allez, montez bien le bassin, creusez le ventre. Amenez le genou un peu en arrière du genou gauche et penchez un peu le buste. Vous allez voir que vous allez sentir un petit peu plus l'étirement. Ok, on relâche, retour au calme, pas besoin de rester une minute. Donc, main gauche, pied gauche, talon proche, fessier, fessier serré. 1, 2, 3, je me grandis, je regarde vers l'avant. Genou à côté de l'autre ou bien genou gauche un peu en arrière du droit. Souple, à droite. Hein. Très bien, on vient relâcher tout doucement. Alors là, vous allez tirer l'arrière de la jambe droite, donc pour ça, vous amenez votre jambe droite en avant. Il y a à peu près un pied qui espace votre talon droit de votre pied gauche. Vous avez donc talon uniquement dans le sol, orteil vers vous. Donc votre jambe gauche est fléchie, votre jambe droite, je rappelle, est bien tendue. Vous penchez un peu le buste, droit mais penché. Main sur les hanches ou dans le bas du dos et vous montez fessier vers plafond. Vous allez voir très facilement, vous devez me sentir l'arrière de votre jambe droite, que ce soit mollet ou arrière de cuisse. Attention à ne pas m'arrondir le dos, notamment vos épaules. On les dégage vers l'arrière, on doit avoir un peu les omoplates resserrées. Et on se redresse et on change. Donc pied gauche,
Donc la jambe gauche est tendue, le pied donc talon uniquement dans le sol, buste penché, main dans le dos ou sur les hanches, soupe sur la jambe d'appui à droite et on monte fessier vers plafond. Ça plus ça plus ça, vous devez sentir un bon étirement au niveau de l'arrière de la jambe gauche. Ok, on relâche. Alors, là, vous pouvez vous mettre dos à un mur. Hein. Si vous voulez, vous allez attraper avec vos mains, donc vous les liez toutes les deux, vous placez dans le creux de vos paumes hein, votre genou et vous ramenez votre jambe vers vous, vers votre poitrine. Donc, n'hésitez pas à avoir un dos collé à un mur. Hein. Donc, soupe sur la jambe gauche, hein, la jambe d'appui. Le dos droit, vous grandissez, imaginez encore une fois un fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le plafond. Épaules basses, coude près du corps et on relâche. On intervertit. Donc pareil, on lie les mains, on place donc, son genou cette fois-ci gauche au niveau de ses paumes. On ramène cette jambe gauche fléchie vers soi, vers sa poitrine, on reste stable. Soupe sur la jambe d'appui à droite. Très bien, on relâche tout doucement. Alors, écartez les jambes un petit peu, soupe sur les genoux. Inspirez, levez les bras, vous allez amener les deux mains que vous avez liées, donc paumes sur le côté droit. Donc soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez au-dessus du bras gauche. Donc évidemment, les jambes, le bassin est fixe. Par contre, inclinaison du buste, des bras et de votre tête. On inspire, on fléchit. On va ensuite expirer pour se déplacer, aller du côté opposé à gauche. Donc soit regard vers l'avant, soit au-dessus du bras droit. Enfin au-dessus, au niveau du bras droit. On inspire, on fléchit et on expire, on peut resserrer un petit peu les pieds et on peut pousser ses paumes cette fois-ci tout simplement au-dessus de sa tête vers le haut et chercher à étirer ici sa colonne vertébrale, sa sangle abdominale. Si vous préférez regarder vers le plafond, il n'y a aucun problème. Ça peut ne pas être que vers l'avant. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, vous relâchez tout doucement les bras. Vous allez m'enrouler les épaules, ça les a un petit peu contraintes, ces exercices. Et voilà pour cette séance.